Bonjour à toutes et à tous. Il est 10 h et je vous remercie. Nous vous remercions de nous rejoindre à ce webinaire sur la nouvelle réglementation radioprotection pour les établissements industriels et tertiaires. Je suis Sophie Urvois, chargée de marketing opérationnel chez APAV. J'ai le plaisir de vous accueillir avec Thomas Le Guéflec, responsable domaine rayonnement, et Florian Faillon, responsable des formations rayonnement. Avant de commencer ce e-workshop, je vais vous donner quelques petites infos utiles. Sur votre droite, vous avez un module questions via lequel vous pouvez poser toutes vos interrogations. Florian et Thomas prendront le temps nécessaire pour y répondre. Nous procéderons également à un sondage très court de questions fermées. Alors, il sera lancé à la fin de la présentation. On vous remercie par avance de vous prêter à cet exercice. Ce e-workshop est enregistré. Vous recevrez le replay à l'issue de l'animation. Je pense ne rien avoir oublié. Je vais donc laisser la parole à Thomas et à Florian. Je vous souhaite une bonne matinée. Oui, bah, merci Thomas? Sophie. Bonjour, bonjour, je me présente. Donc Thomas Le Guéflec, je suis effectivement le responsable du domaine rayonnement à l'APAV. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui touche au développement des prestations rayonnement, mais tournées, on va dire, accompagnement technique et inspection au sein d'APAV. Et à ce titre, du coup, dans ce domaine rayonnement, on va retrouver tout ce qui touche à la radioprotection, que ce soit des travailleurs, du public, mais aussi des patients. Voilà. Et je vais laisser Florian se présenter à son tour avant qu'on démarre cet e-workshop. Voilà. Oui, merci Thomas. Donc bonjour à toutes et tous, hein, et bienvenue sur ce e-workshop. Donc je suis Florian Faillon et responsable des formations de la gamme Rayonnement au sein de la direction formation APAV. Cette gamme de formations, elle inclut bien évidemment les formations de personnes compétentes en radioprotection, les formations destinées à la radioprotection des travailleurs, mais également des formations relatives au rayonnement optique artificiel, au laser, aux ultraviolets, ainsi qu'aux champs électromagnétiques. Donc, je traiterai notamment, hein, de la partie relative aux personnes compétentes en radioprotection et aux organismes compétents en radioprotection que l'on verra donc enfin, au cours de la présentation. Thomas, je te laisse commencer. Ok, merci. Ouais. Bon, bah, c'est parti, on va démarrer. Donc, effectivement, le sujet donc, du jour, hein, on est bien tous en phase. Vous êtes tous là pour en apprendre plus sur les évolutions réglementaires en matière de RP. Nous avons des inscrits du milieu médical, hein, sur cet e-workshop. Sachez qu'on a un e-workshop dédié au milieu médical qui aura lieu dans, alors, j'ai plus la date en tête, mais dans quelques jours, la semaine prochaine. Et au cours duquel on traite également de la partie radioprotection des patients. Aujourd'hui, donc, on est vraiment sur le secteur industriel et tertiaire, donc on ne traitera pas de cette partie-là. Maintenant, vous pourrez nous demander le lien vers le replay de l'e-workshop médical si vous le souhaitez. Pour ceux qui sont intéressés, on pourra vous le faire suivre avec plaisir. Hein. Sachez que dans le médical, je fais une petite parenthèse, hein, on présente l'e-workshop avec notre partenaire. Voilà, vous avez peut-être entendu parler de ce partenariat sur lequel on communique beaucoup en ce moment. APAV est une société spécialisée en physique médicale qui s'appelle Esprimed. Se sont rapprochés là très récemment. Donc, on fait cet e-workshop pour présenter un petit peu tout notre savoir-faire, on va dire, en matière de RP médicale, que ce soit de travailleurs ou patients. Voilà, donc revenons à nos moutons. Là, on va être sur la partie industrie, on va oublier cette partie patient et on va vraiment être sur la partie RP des travailleurs, du public et aussi, pourquoi pas, un peu d'environnement. Et l'idée, c'est vraiment de vous présenter de manière synthétique, mais malgré tout exhaustive, les évolutions réglementaires en matière de RP.
évolutions réglementaires qui ont commencé, hein, mais qui sont toujours en cours. Et avec une échéance, je dirais, officielle à date de bascule dans un nouveau moule réglementaire au 1er juillet 2021. Voilà, donc on va démarrer l'aspect rayonnement. Donc j'arrive sur la diapo suivante. Je trouvais intéressant de vous rappeler un petit peu le spectre des rayonnements électromagnétiques. Hein, qui sont donc définis. On a vraiment trois grandes familles de rayonnements électromagnétiques. Plutôt du côté des basses énergies, on va dire les champs électromagnétiques, qui sont plutôt liés à la téléphonie, aux ondes radio, etc. Et c'est également des champs qui peuvent être produits par des courants électriques, notamment à des niveaux importants lorsqu'il y a de fortes intensités. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Il y a une réglementation spécifique sur ce sujet-là qui est entrée en vigueur en 2016, au 1er janvier. Et c'est déjà quelque chose d'adressé. Il y a une évaluation des risques au champ électromagnétique qui est imposée par la réglementation. On a la même chose côté rayonnement optique artificiel, où là encore, on a une évaluation des risques imposée et une réglementation spécifique dans le Code du travail. Et là, ces rayonnements optiques, eh bien, ce sont tous les rayonnements qui sont dans l'infrarouge, le visible ou les ultraviolets. Voilà, donc on va trouver notamment là-dedans des lasers, pour faire simple, des lampes UV utilisées dans l'industrie pour du reçuage, pour de la polymérisation, ce genre de choses, et également tout ce qui peut être lié à l'utilisation de fours. Que ce soit des fours à infrarouge ou pas d'ailleurs, mais en tout cas des fours qui vont générer des rayonnements infrarouges, possiblement nocifs pour la santé aussi. Et enfin, lorsqu'on monte en énergie, on arrive sur la catégorie qui fait l'objet du workshop d'aujourd'hui, c'est la catégorie des rayonnements ionisants, donc ce sont les rayonnements les plus énergétiques dans le spectre, et qui s'appellent ionisants parce qu'ils ont la propriété de ioniser des atomes qui constituent les cellules du corps humain. Ce sont des rayonnements qui ont une énergie capable d'ioniser les atomes de carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre. Voilà, donc on a une réglementation sur cet aspect rayonnement ionisant qui est en cours de montée en puissance et qui remplace progressivement donc cette nouvelle réglementation qui remplace progressivement l'ancienne. Aujourd'hui, on est donc dans une phase transitoire entre une ancienne réglementation et une future réglementation. Voilà. Alors, un petit rappel sur vos enjeux en matière de RP. Hein, malgré ce contexte réglementaire qui peut perturber les organisations, qui peut faire se poser beaucoup de questions sur est-ce que je fais bien ou pas, est-ce que je continue à faire comme avant ou pas, enfin voilà. Il ne faut pas perdre de vue les enjeux. Donc déjà, le premier enjeu, effectivement, c'est de continuer d'assurer la sécurité de vos salariés, voire du public, mais ce n'est même pas voir, c'est et du public, par rapport aux risques radiologiques. Il faut aussi que vous soyez en mesure d'intégrer et de comprendre la réglementation, qui est malgré tout assez complexe, hein, qui évolue régulièrement et tout particulièrement en ce moment. Et vous avez également besoin de mieux comprendre cette période transitoire qui est en cours, et qui devait prendre fin au 1er juillet 2021, je vous l'expliquais tout à l'heure, mais il s'avère qu'un décret prorogeant cette date d'au moins 6 mois est en cours de validation. Donc, il est soumis aux partenaires sociaux actuellement, et on parle plutôt du 1er janvier 2022, mais j'ai cru comprendre que ça pouvait éventuellement être encore un peu plus loin. Mais on partira de cette hypothèse-là sur la présentation. Ce ne sera pas le 1er juillet 2021, c'est certain, ce sera probablement le 1er janvier 2022. Et puis voilà, l'objectif aussi de cet e-workshop, c'est de vous permettre d'être en capacité d'optimiser votre future organisation de l'ARP, de manière aussi à vous concentrer sur votre cœur de métier. Vous allez voir que la réglementation telle qu'elle arrive permet beaucoup plus, et notamment dans l'industrie, hein, de s'appuyer sur des savoir-faire extérieurs plutôt que de tout internaliser. On en parlera un peu plus et puis on répondra à vos questions probablement aussi sur ce sujet. Alors, je vous parlais de,
de cette transformation de la réglementation RP. Je n'entrerai pas dans le détail de tous les textes qui peuvent paraître, mais globalement, le point de départ de cette transformation, c'est une directive européenne. Vous avez son petit nom là, donc une directive de 2013, devait être transposée dans le droit de chaque État membre avant février 2018. Et il s'avère que en France, la transposition a eu lieu en 2018 au travers on a commencé par une ordonnance en 2016, mais ça ne valait pas transposition. En tout cas, on a eu des décrets en 2018 qui ont réécrit le Code de la santé publique et le Code du travail. Et pour le coup, ça a été un des gros morceaux de la transposition. Donc en 2018, on va dire que le gros de la transposition avait démarré. Hein, et aujourd'hui, on est sur une phase transitoire qui a été créée par ces décrets. Ensuite, on a eu une instruction qui est venue préciser justement la meilleure façon de travailler durant cette période transitoire. Et puis, petit à petit, on a vu apparaître des arrêtés d'application qui modifient finalement les règles établies par le passé. Hein, donc, vous voyez, il y avait un arrêté, alors on va l'appeler organisation de l'ARP, mais en fait, ça s'appelle plus exactement l'arrêté de formation des PCR et également de certification des organismes compétents en RP. On y reviendra tout à l'heure. On a également quelque chose qui touche un arrêté qui touche à la dosimétrie, un autre au zonage et enfin un autre qui est paru en octobre 2020 qui touche aux vérifications RP, mais uniquement pour la partie code du travail. Voilà, donc je passe. Vous voyez que c'est quand même un rythme assez effréné en matière de mise à jour réglementaire et que forcément, dans vos activités, c'est pas évident à suivre et surtout qu'à la lecture des textes, on a une période transitoire qui est complexe à appréhender. Voilà, donc là, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu quel est l'impact de toutes ces évolutions et en gros, qu'est-ce que la réglementation vous impose aujourd'hui? Alors, il faut savoir qu'on est autant par le passé en RP, il y a toujours eu évidemment un code du travail, un code de la santé publique, hein, mais on avait une tendance à tout concaténer, c'est-à-dire qu'on traitait bien souvent à la fois le code du travail et le code de la santé publique sans trop vraiment les distinguer, on va dire comme ça. Il faut savoir que, si je reviens juste sur la page d'avance, je l'utilise pour le dire. Vous voyez, on a deux décrets en 2018 qui sont parus. Il y en a un qui est relatif à la protection des travailleurs et donc il a été rédigé par la DGT. Donc, c'est vraiment que Code du travail et c'est vraiment la DGT qui a écrit les règles côté Code du travail. Et forcément, c'est son domaine de compétence, c'est bien logique. Et on a un autre décret qui porte donc qui est de la même date, hein, mais portant diverses dispositions en matière nucléaire, il s'avère que ce décret, il ne touche pas au code du travail. Par contre, il réécrit le code de la santé publique et une partie, on va dire, du code de l'environnement. Vous voyez ? Et ce décret-là, il n'a pas été écrit par la DGT, la Direction générale du travail, il a été écrit par la Direction générale de la santé et par la SN. Donc, on a bien une séparation des exigences qui s'est accentué, on va dire, entre ce qui va toucher au code du travail et ce qui va toucher, on va dire, au code de la santé publique. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer par les évolutions côté code santé publique, donc avec une rédaction de ces évolutions par la DGS et la SN, et puis on passera ensuite aux évolutions côté code du travail, et vous verrez que les philosophies sont différentes, même si évidemment des échanges importants ont eu lieu entre toutes ces entités et qu'il y a quand même une certaine harmonisation des deux codes. Alors allons-y. La principale évolution côté code santé publique, bon, je vous le disais, il y a une coquille, c'est pas DGT, là c'est DGS, c'est bien donc l'autorité de sûreté nucléaire, la SN et la DGS qui sont en charge de sa rédaction, de son application. Il faut retenir, on a désormais non plus deux, mais trois régimes administratifs qui sont créés et qui sont donc, côté code santé publique, donc gérés par l'ASN. Il y a les déclarations,
les autorisations, donc ça on les connaissait, mais il y a également un nouveau régime qui apparaît, qui est le régime d'enregistrement, qu'on peut aussi résumer comme étant une autorisation simplifiée. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'installation soumise à enregistrement dans le paysage français. Ça nécessitera un arrêté, une décision ASN probablement, qui viendrait définir qui rentre dans quelle case. À cette date, il n'y a que deux cases toujours, finalement, c'est déclaration autorisation. Voilà, un autre point. Chaque déclarant ou titulaire d'un enregistrement ou d'une autorisation est désigné responsable d'activité nucléaire. C'était déjà le cas par le passé, mais là, il est important qu'on le rappelle parce que le responsable d'activité nucléaire est très clairement responsabilisé dans la nouvelle rédaction du Code de la santé publique. Le responsable d'activité nucléaire par le passé était responsable d'un certain nombre de choses. Ce n'était pas forcément d'ailleurs toujours très très clair ce qu'il devait faire, mais là c'est beaucoup plus clair et clairement il est responsabilisé, il a des actions importantes à mener. Donc on en a listé quelques-unes, évidemment ça ne peut pas être exhaustif, le code il est quand même garni. Mais voilà, donc la première responsabilité du RAN, le responsable d'activité nucléaire, c'est de définir une organisation de la radioprotection en s'appuyant sur la désignation d'un conseiller en RP. Donc dès lors qu'on est soumis à un régime administratif, ça veut dire qu'on a donc un responsable d'activité nucléaire, puisqu'il y a quelqu'un qui est présent, il y a le nom de quelqu'un sur la déclaration d'enregistrement ou d'autorisation, c'est lui le responsable d'activité nucléaire. Donc forcément, il existe, et dès lors qu'il existe, il doit désigner un conseiller en RP. Pour les aspects, donc, code santé publique, pour le conseiller sur ces aspects-là. Donc ça, le responsable d'activité nucléaire, il doit faire cette désignation, c'est impératif. Ensuite, il doit s'assurer de la conformité des locaux dans lesquels sont utilisés les appareils ou les sources émettrices de rayonnement ionisant. Donc une fois qu'il a vérifié la conformité de ses locaux, ainsi que d'autres points, est-ce qu'il a bien respecté, par exemple, les conseils, en tout cas les recommandations d'installation du fabricant, du fournisseur, est-ce qu'il a bien suivi les conseils de son conseiller en RP, etc., etc., lors de l'installation d'un nouvel équipement, et bien à ce moment-là, il doit, une fois que tout est checké et valide, il doit prononcer formellement la réception des installations avant qu'il puisse être utilisé, je dirais, en routine au sein de l'établissement. Donc, ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. On voit également aujourd'hui des autorisations de l'autorité de sûreté nucléaire qui indiquent que l'autorisation, tant que la réception n'est pas prononcée par le RAN, eh bien, l'autorisation est limitée aux vérifications de mise en service. Donc, c'est un document important et c'est une responsabilité, je dirais, nouvelle pour le RAN. Il a également l'obligation, ce responsable d'activité nucléaire, de faire procéder aux vérifications et contrôles de radioprotection, je précise, hein, relatif au code de la santé publique. Ce n'est pas lui qui est responsable de tout ce qui touche à la sécurité des travailleurs, hein, on s'entend bien. Donc, on a tous ces éléments qui sont explicités dans le code santé publique. Et on est plutôt donc sur la protection du public, la protection des patients si on est dans le médical, hein, je détaille pas, mais le contrôle de qualité par exemple, tout ça, ça fait partie des obligations du responsable d'activité nucléaire. La formation RP patient aussi. Voilà, voilà, donc ça c'est vraiment l'aspect code santé publique. Alors je reste un petit peu superficiel, on répondra aux questions si vous en avez, mais bon, sachez quand même que le code est bien écrit, hein, qu'il est écrit en français, on comprend quand même assez bien ce qu'il y a dedans. Et pour le coup, ça vaut le coup d'aller le lire, de prendre le temps de le faire, c'est assez digeste malgré tout. Voilà, maintenant on va passer aux exigences, aux évolutions pardon, du code du travail, et cette fois-ci avec une rédaction de la DGT qui est donc l'autorité en charge de la rédaction du code et également de la vérification de sa bonne application, notamment au travers des directs. Alors, il y a une certaine philosophie adoptée par la DGT, mais qui n'est pas nouvelle, c'est-à-dire qu'elle s'appliquait déjà par le passé sur d'autres risques physiques, comme par exemple les champs électromagnétiques et les rayonnements optiques, pour des risques que je connais bien. Il s'avère qu'on a la même philosophie du coup, dans toutes ces gestions de risques.
Voilà, donc on va le retrouver tout ça d'ailleurs sur la première puce, hein, la philosophie, c'est qu'il est, il est demandé aux employeurs d'adopter une approche graduée de prévention des risques, et notamment une approche harmonisée avec la prévention des autres risques professionnels. Dans le Code du travail, les moyens de prévention à mettre en œuvre pour maîtriser les risques sont complètement décorrélés des régimes administratifs. Donc, on va vraiment, on voit là le principe de séparation entre le Code du travail et le Code santé publique. Ici, on est aussi sur une responsabilité qui n'incombe plus au responsable d'activité nucléaire, mais à l'employeur. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes. On peut très bien avoir un responsable d'activité nucléaire qui est par exemple l'ingénieur sécurité de l'entreprise, alors que l'employeur, ce sera le directeur de site. Donc, on voit bien qu'on va avoir du coup un directeur de site qui est responsable de l'aspect code du travail, et le responsable sécurité, bon, qui a quand même des responsabilités côté sécurité, mais qui est factuellement responsable d'activité nucléaire, donc lié plutôt au code santé publique. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc cette approche, elle est harmonisée. On a l'application des 9 principes de prévention qui est toujours imposée. C'est vraiment une règle de base. On commence par les 9 principes de prévention et forcément, on va en reparler un petit peu juste après des 9 principes, mais globalement, c'est le point de départ. Et lorsqu'on ne peut pas écarter les risques, éviter les risques, eh bien, on va rentrer dans des logiques d'évaluation des risques en traitant d'abord l'aspect collectif avant l'aspect individuel. Donc ça, on y reviendra. Mais c'est quelque chose qu'on connaît sur plein d'autres risques. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un principe générique qui s'applique à tous les risques au travail. Autres évolutions, on a une prise en compte des expositions des travailleurs inférieures à 1 millisievert. Un abaissement de la limite au cristallin, très bien. On a également une forte hausse des exigences liées à la radioactivité naturelle et en particulier vis-à-vis du risque d'exposition des travailleurs au radon. Donc je l'ai pas précisé là en amont, mais aujourd'hui, tout employeur, quelle que soit son activité professionnelle, doit évaluer le risque d'exposition de ses travailleurs au rayonnement ionisant. Alors je prends un exemple, une banque, par exemple, elle doit avoir dans son document unique une ligne rayonnement ionisant. Pourtant, elle ne détient pas de source, on est bien d'accord. Mais, étant donné qu'elle ne détient pas de source, elle ne va pas s'intéresser à ça, elle va s'intéresser par contre au risque naturel et elle va devoir statuer sur le risque radon, par exemple. Ça, c'est assez nouveau. Hein, on va aussi avoir des choses qui vont apparaître au niveau naturel. Alors dans le code du travail, ça va toucher par exemple à la manipulation de matières contenant naturellement et de manière renforcée des radionucléides. Et donc il y a des obligations aussi d'évaluation des risques quand on utilise tel ou tel matériau. Ok. On a également donc les évolutions, la refonte de l'organisation, c'est l'objet du jour, j'en reparle pas, mais on a également une refonte de tout ce qui touche au contrôle technique. Donc vous connaissiez par le passé les contrôles externes de RP, les contrôles internes de RP. Désormais, ça s'appelle plus comme ça. On va parler de vérification. Et dans le code du travail, on va parler de vérification initiale et de vérification périodique. Enfin, c'est les deux grandes familles de vérifs. Après, il y a d'autres vérifications, mais suite à maintenance, etc., etc. Mais c'est vraiment les vérifs initiales et les vérifs périodiques qui prennent le lead. On a aussi une simplification du zonage, où on a davantage de niveaux de référence qui sont maintenant mensuels et non plus horaires, avec quelques spécificités aussi, quelques changements sur la notion des zonages extrémités et aussi l'arrivée des zonages radon. Également, les accès de la PCR sont augmentés dans CISERI, notamment vis-à-vis des doses équivalentes. Et la PCR a également la possibilité de se voir ouvrir l'information à tout ce qui touche aux doses internes par la médecine du travail.
Voilà. Et puis, il y a également une réorganisation des dispositions pour tout ce qui est urgence radiologique. Voilà. Donc, on a une diapo sur les 9 principes généraux de prévention. Hein, donc, c'est un article du Code du travail qu'on n'a pas cité là, mais qui les liste. Hein, et on voit qu'on est, sur une gestion le plus en amont possible des risques. C'est vraiment cette philosophie-là. Et puis, ce sont de toute façon en radioprotection, vous savez qu'on a 3 principes en RP, hein, l'optimisation et la justification, qui sont les 3 grands principes de RP et qui sont finalement des principes en phase avec ces 9 principes généraux de prévention. Bon, je ne vais pas les détailler, vous devez sûrement les connaître. Et puis, dans le replay, de toute façon, vous aurez la possibilité de les revoir. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quoi qu'il en soit, l'évaluation des risques devient la clé de voûte du dispositif de prévention dans le Code du travail. C'est vraiment cette évaluation des risques qui va entraîner, je dirais, le dosage des moyens de prévention. Si vous êtes soumis à un régime administratif ASN, mais que votre évaluation des risques conclut qu'il n'y a pas de risque pour le travailleur, par exemple, vous allez alléger le dispositif. Et les moyens de prévention à mettre en place vont être, je dirais, allégés. Okay, donc, c'est une évaluation qu'il faut mener de manière objective. Et derrière, en fonction de ces conclusions, eh bien, les moyens de prévention vont aller crescendo. Premier point, cette évaluation des risques, elle doit être réalisée par voie documentaire. Je parlais tout à l'heure, par exemple, du radon. L'évaluation des risques par voie documentaire, pour le radon, c'est typiquement, est-ce que je suis dans une zone à risque radon ou pas géographiquement? Si je suis dans une zone à risque faible, est-ce que j'ai des zones en sous-sol, peu ventilées, ce genre de choses? Ça va me donner une info sur est-ce que je risque de dépasser des valeurs, les valeurs, on va dire, limites définies pour le public. Si c'est le cas, à ce moment-là, si par voie documentaire, je ne peux pas écarter ce risque de dépasser les valeurs limites pour le public, eh bien, à ce moment-là, je dois procéder à des mesurages en tant qu'employeur. D'accord ? Donc, on a vraiment ce premier niveau documentaire qui est important et c'est lui qui nous dit si on fait des mesures ou pas. Alors, généralement, quand on détient une source de rayonnement ionisant, il y a quelques petites mesures à faire, hein, on s'entend. À l'issue des mesurages, si un risque de dépassement est avéré, donc si on confirme le fait qu'on peut, un travailleur peut dépasser les valeurs limites définies pour le public, et donc là on s'entend, c'est aussi sur un temps plein de travail, c'est pas en fonction de leur temps de présence, hein, on est dans une logique de zonage là, à ce moment-là, l'employeur doit mettre en œuvre des mesures de prévention proportionnées aux enjeux. Voilà la philosophie aujourd'hui du Code du travail, elle est déjà applicable. Et tout ça, donc, c'est à intégrer désormais dans vos organisations et dans vos analyses de risques. Donc, cette éval des risques, vous voyez, qui inclut le radon, donc, si jamais elle impose ou elle suggère la mise en place d'une des dispositions suivantes, alors l'employeur doit désigner un conseiller en RP. Et ces dispositions, c'est si je mets en place un zonage, si je classe un travailleur, ou si je mets en place un programme des vérifs, je réalise des vérifications radioprotection. Donc ça, c'est aussi, ça peut aussi être imposé, la réalisation des vérifications par arrêté. Hein, donc, ce n'est pas finalement que l'éval des risques. Mais enfin, bon, globalement, si vous mettez une de ces 3 dispositions-là en place, au moins l'une en tout cas d'entre elles, à ce moment-là, il y a désignation d'un CRP par l'employeur. Donc, on se retrouve à avoir un RAN responsable d'activité nucléaire dans le cadre du Code de la santé publique qui désigne un CRP, et un employeur qui désigne lui aussi un CRP. Bon, je vous rassure, ça peut être la même personne ou la même entité. Voilà, on peut peut-être faire un petit point sur les questions. J'ai cru entendre pas mal de petits pop-up partout, donc je crois qu'il y avait quelques questions. Florian, c'est toi qui te charges de la synthèse, hein, on s'était organisé comme ça. Donc on y va, on va essayer de répondre un petit peu par... sur les thèmes principaux.
Oui, effectivement. Sachant Donc, quelques petits problèmes de connexion au départ hein, sur les questions. On reprendra également du temps, c'est ce que je pense que tu allais dire, donc pour compléter donc les questions auxquelles je n'ai pas répondu. J'ai essayé d'y répondre en temps réel. Marc nous a aidé également sur pas mal de réponses également. On leur remercie. Donc, on avait quelques questions concernant l'examen de réception à prononcer par le RAN sur une nouvelle installation. Donc, des questions sur le contenu d'un examen de réception et concrètement, ça se traduisait par quoi ? Ça se traduit par quoi ? Le code de la santé publique, il est assez explicite sur le sujet. Alors, faut que j'aille l'ouvrir parce que je l'ai pas forcément dans le détail en tête là. Mais globalement, le point essentiel permettant de prononcer une réception, c'est la vérification de la conformité du local dans lequel est installé l'équipement. D'accord ? Ça, c'est la base. Maintenant, quand vous êtes là-dessus, il faut que le local soit conforme. Il faut également que les vérifications initiales aient eu lieu en RP. Il faut également que les conseils du conseiller en RP aient été pris en compte. Et également, un dernier point, que les recommandations d'installation du fabricant fournisseur de l'équipement aient également été prises en compte. Donc, c'est tous ces aspects-là qui doivent permettre le prononcé de la réception. Alors, je suis peut-être pas complètement exhaustif, mais c'est écrit ça vraiment très clairement dans le Code santé publique. D'accord, merci. Nous avons des questions également concernant le RAN. Est-ce que ça peut être une personne morale et est-ce qu'une formation est nécessaire pour le responsable de l'activité nucléaire et qui peut être RAN finalement dans l'établissement ? Il n'y a pas de formation particulière. Tout le monde peut être responsable d'activité nucléaire. On devient responsable d'activité nucléaire uniquement lorsqu'on reçoit un récépissé de déclaration ou un enregistrement, une autorisation. Il n'y a pas de formation spécifique. Par contre, quand on est responsable d'activité nucléaire, on s'engage à respecter un certain nombre de règles et on reçoit d'ailleurs quelque part en retour, en se faisant désigner RAN finalement par l'ASN, l'obligation de mettre en œuvre ce sur quoi on s'est engagé. Voilà. Et je ne sais plus, Florian, il y a une autre question. Non, est-ce que c'est une personne morale Oui. En fait, le RAN peut être également la personne morale, et c'est d'ailleurs, hors secteur médical, hein, la pratique la plus courante désormais. Oui. À noter qu'il ne faut pas oublier que le RAN, qu'il soit une personne physique ou morale, se repose justement sur les compétences du conseiller en radioprotection, qui est là pour lui apporter son concours et le conseiller dans ses différentes missions et obligations réglementaires. Dans les questions, nous avions quelques questions sur la détection incendie à l'aide de sources, de détecteurs ioniques à chambre d'ionisation, détecteurs de fumée à chambre d'ionisation. Quelle réglementation s'applique hein, et la réglementation s'applique là principalement donc pour les entreprises qui démantèlent, qui reconditionnent, qui démantèlent, oui, les installations et pas sur les détenteurs donc d'un système de sécurité incendie qui pourrait contenir ce type de détecteur, voilà, ce type de source. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? On a quelques questions concernant le radon et notamment les valeurs de référence. Hein. Marc a répondu sur les valeurs de référence, les niveaux de référence donc pour le radon à 300 becquerels par mètre cube et qui est la valeur pivot qui nous permet finalement de dire je mets en place des choses ou pas en ce qui concerne la protection des travailleurs vis-à-vis du risque radon. Voilà, donc pour aller un peu plus loin sur le radon, donc effectivement, le niveau de référence de la réglementation donc, est de 300 becquerels par mètre cube. Dès lors que je le dépasse, donc j'ai fait des mesurages pour le coup, puisque par voie documentaire, je ne peux pas savoir si je dépasse ou pas. Je peux juste écarter le risque, mais s'il y a un risque, il faut que je fasse des mesurages. Et donc, les mesurages peuvent m'amener à constater un dépassement de cette valeur de référence, ce niveau de référence. Si je le dépasse, j'ai obligation en tant qu'employeur de mettre en œuvre des mesures de réduction des risques. Et donc ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire
diagnostiquer les causes de la présence du radon dans mon bâtiment et puis mener des actions correctives. À l'issue de ces actions correctives, j'ai l'obligation, évidemment, de vérifier qu'elles ont été efficaces. Donc, je refais des mesurages. Et c'est là, en fonction de cette deuxième vague de mesurage, que j'ai des choses à mettre en place. Si je suis toujours au-dessus des 300, mais que je ne mets pas en place un zonage radon, après, comment on met un zonage radon, c'est une autre histoire. À ce moment-là, je dois optimiser les expositions, notamment en travaillant sur l'affectation des locaux, etc. Mais je dois aussi informer l'IRSN des résultats de mesure. Si par contre je mets en place un zonage radon, non seulement je dois faire ce que je viens de dire là, vis-à-vis de l'IRSN, l'optimisation des doses, mais en plus de ça, je dois désigner un conseiller en RP uniquement pour le côté radon si j'ai que cette problématique là en fait. Et à ce moment là, je rentre dans le dispositif renforcé RP avec zonage, restriction des accès aux seules personnes habilitées, formation des travailleurs qui vont rentrer dans ces zones, etc., etc. Voilà, je ne sais pas si ça répond, mais c'est une logique, le radon, finalement, ça va se traiter en bout de ligne de manière assez proche de ce que vous connaissez par ailleurs en zone, créée du fait de rayonnement artificiel. Il y a des petites différences, mais enfin qui sont à la marge, je dirais. Toujours sur le radon, donc quelques questions sur le mesurage du radon et si on peut aider donc les établissements donc dans les mesurages du radon donc dans les lieux de travail. Comment s'effectue le mesurage et si APAF propose ce type de prestation? Ah, oui, APAF propose beaucoup de choses. Donc oui, on fait beaucoup de radon. Surtout en ce moment, je ne vous cache pas que c'est un sujet d'actualité. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à cette problématique-là. Et évidemment, ce ne sont pas que des entreprises qui détiennent des sources. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et ça génère forcément de l'activité dans des sociétés comme la nôtre. Maintenant, oui, donc le radon, comment ça fonctionne? Dans le code du travail, il y a l'obligation d'évaluer les risques vis-à-vis du radon en sous-sol et rez-de-chaussée. Donc, lorsqu'on ne peut pas écarter le risque par voie documentaire, eh bien, on va procéder à des mesurages dans ces deux niveaux, ou en tout cas dans ces niveaux-là. S'il y a plusieurs niveaux de sous-sol, on ira dans tous les niveaux de sous-sol. Hein. Et puis, positionner des capteurs, qu'on appelle ça des détecteurs solides de traces nucléaires, c'est ça qu'on va utiliser, qui sont des capteurs qu'on va donc complètement passifs, il n'y a pas d'énergie dedans, ce sont des petits films en fait sensibles aux particules alpha émises par le radon, et on va les laisser en place plusieurs mois, en l'occurrence c'est plus de 2 mois, voilà, en général c'est 2 mois et quelques semaines, quelques jours. Ça fait partie des règles de l'art de procéder comme ça. Et ce sont des petits capteurs qu'on va poser l'hiver, plus exactement sur une période qui court du 15 septembre au 30 avril. Voilà, donc nous, notre plus-value là-dedans, c'est qu'on définit une stratégie de mesure en tenant compte des règles de l'art et aussi des recommandations de la Direction générale du travail, puisqu'il y a un guide qui est paru en fin d'année dernière là-dessus. En tant que spécialiste du sujet, on va dire, on se propose de gérer ce risque à la place des employeurs, de faire les mesurages pour eux et de leur indiquer à l'issue de ça dans quelle case ils se situent et qu'est-ce qu'ils ont à faire s'ils ont des choses à faire. Voilà, c'est à peu près ça. Est-ce que j'oublie quelque chose sur le sujet du radon? Non, après, des questions concernant donc les fréquences de mesure du radon. Est-ce que ça reste annuel, triennal, décennal ou à d'autres? Oui, alors je dirais déjà, ça va dépendre des résultats. Si vous êtes au-dessus des 300 après des actions de remédiation, vous allez… de toute façon, c'est l'employeur qui doit définir. C'est la périodicité de ces vérifications, mais s'il y a des zones radon, il faudra quand même faire des vérifs qui seront à périodicité, au-delà de 1000 becquerels par mètre cube, il faudra que ce soit tous les ans, à minima. Mais là, en fait, je vais peut-être le dire autrement, on a un arrêté d'octobre 2020 qui précise ces périodicités minimales. Il s'avère que, si j'ai une zone radon au-dessus de 1000, ce sera à minima annuel, les mesurages. Si c'est une zone radon en dessous de 1000 becquerels par mètre cube,
ce qui arrivera dans quelques temps. À ce moment-là, ce sera de mémoire tous les 5 ans. Hein, sachant que si vous n'avez pas défini de zone radon, il n'y a pas formellement de périodicité imposée. C'est bien l'employeur qui va la définir. Maintenant, il est quand même recommandé quand on dépasse le niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube, même si on n'a pas fait mis en place de zone radon, de faire des mesurages, je dirais, assez régulièrement. Si vous êtes par contre en dessous des 300 becquerels par mètre cube, en dessous du niveau de référence, ce que demande le Code du travail, c'est que vous ne fassiez des mesurages que s'il y a besoin de réévaluer les risques, c'est-à-dire s'il y a des travaux qui remettent en cause l'étanchéité de l'interface sol-bâtiment ou la qualité de la ventilation. Donc, j'ai une réponse un peu complète, mais c'est ça. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour dans les différentes questions. Je propose de continuer. Alors après, je vais peut-être juste préciser sur le radon, et puis après, on ne fera pas tout les workshops sur le radon, mais malgré tout, c'est intéressant d'en parler. C'est que, effectivement, lorsque on fait des mesurages, nous, à la PAV, et on vous dit si vous dépassez ou pas les 300 becquerels par mètre cube, et qu'est-ce qu'il faut faire en fonction, sachez qu'on a également toute une offre d'accompagnement pour vous aider à identifier les causes de la présence du radon quand on dépasse ce niveau de référence. Donc ça, c'est, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a une prestation, notamment avec nos entités bâtiments, infrastructures, construction, où on fait des diagnostics de bâtiments pour identifier les causes de la présence du radon. Et ça, c'est une plus-value qu'on peut aussi apporter. On a notamment des appareils de mesure, électroniques, qui permettent d'avoir des mesurages rapides dans la journée et qui nous permettent d'investiguer, on va dire. Voilà. Vas-y, Florian, excuse-moi. Non, pas de souci, merci pour les précisions. Donc, on va aborder maintenant les différentes possibilités offertes à l'employeur et aux responsables d'activités nucléaires, donc en termes d'organisation en matière de radioprotection qu'ils doivent mettre en place. Vous avez noté que le terme, et ça faisait l'objet d'une question, hein, que le terme « personne compétente en radioprotection » est désormais, que l'on connaissait dans le Code du travail auparavant, hein, est désormais remplacé par le terme de « conseiller en radioprotection » qui redéfinit clairement ce qui est attendu de cette personne. C'est clairement le conseil et l'assistance donc de l'employeur, mais aussi du responsable d'activité nucléaire dans ses différentes obligations. Le conseiller en radioprotection peut être soit désigné parmi les salariés de l'établissement, donc une personne physique, hein, qu'on nommera personne compétente en radioprotection et qui devra suivre une formation pour qu'on lui soit délivré un certificat donc, de personne compétente en radioprotection, ou soit également possibilité offerte désormais d'externaliser cette fonction de conseiller en radioprotection à un organisme extérieur, un organisme tiers, hein, qu'on appellera un organisme compétent en radioprotection, un OCR. J'aurai l'occasion de revenir sur les organismes compétents en radioprotection et sur les PCR un petit peu plus tardivement. Thomas l'a précisé tout à l'heure, hein, mais à noter que le responsable d'activité nucléaire et l'employeur qui doivent chacun de leur côté désigner un conseiller en radioprotection peuvent nommer un même conseiller pour ces deux champs de mission. C'est d'ailleurs très souvent le cas. Alors, sans rentrer trop dans les détails complets des articles réglementaires du Code du travail et du Code de la santé publique définissant donc les missions du conseiller en radioprotection, hein, là on vous présente quelques missions qui sont détaillées donc pour les obligations relatives au Code du travail. Des missions encore une fois complémentaires sont définies le cas échéant, hein, si concerné, donc par le Code de la santé publique, en ce qui concerne notamment la protection des populations de l'environnement. Alors, on peut toutefois noter ou souligner hein, que parmi les missions qui sont définies donc, dans le Code du travail, hein, que le conseiller en radioprotection peut apporter son concours ou donner des conseils hein,
En ce qui concerne, donc à titre d'exemple, hein, l'évaluation des risques dont vous parlez, Thomas, tout à l'heure, la conception des locaux ou des installations qui contiennent des sources de rayonnement, la mise en place de mesures ou de moyens de prévention qui permettent de réduire ou de supprimer l'exposition des travailleurs, de la population ou de l'environnement. Parmi les missions, il y a également la définition des éventuelles zones et leurs conditions d'accès, par exemple. L'établissement d'un programme de vérification. On abordera un petit peu plus tard les différentes nouvelles modalités des vérifications. Le conseiller en radioprotection est là pour apporter donc ses conseils en ce qui concerne donc les vérifications à mettre en œuvre dans ces établissements. On peut noter également qu'il exécute ou supervise hein, les différentes actions de mesurage dans le cadre de l'évaluation des risques, ou alors les vérifications périodiques hein, de l'efficacité des moyens de prévention, ou les vérifications périodiques, par exemple, des lieux de travail. Alors, un petit focus maintenant sur les formations donc des personnes compétentes en radioprotection. Donc, les modalités de formation des personnes compétentes en radioprotection sont définies dans un nouvel arrêté qui est l'arrêté du 18 décembre hein, et qui intègre également d'ailleurs les modalités de certification et d'exercice d'un organisme compétent en radioprotection que l'on a abordé juste avant. Alors, quels changements sont apportés par ce nouvel arrêté ? Alors, ce que l'on peut noter, c'est que l'approche graduée a été conservée, mais c'est dorénavant décorrélé des régimes administratifs de déclaration ou d'autorisation, comme c'était le cas avant, et c'est maintenant associé donc à l'enjeu radiologique, c'est-à-dire au résultat de l'évaluation des risques dus à la détention ou l'utilisation de sources donc dans l'établissement. Ce que l'on peut noter également, c'est que maintenant, les formations, à titre d'exemple, hein, pour illustrer ce que je viens de dire, hein, c'est que les formations de niveau 1 s'intéressent dorénavant à la détention ou l'utilisation de sources scellées ou de générateurs électriques de rayonnement qui n'entraînent pas plutôt la définition de zone au-delà de la zone surveillée bleue ou éventuellement de la zone contrôlée verte, inaccessible pendant l'émission de rayonnement. Toutes les autres installations dépendent du niveau 2 pour le secteur industrie ou médical. Ce que l'on peut noter également pour les formations PCR de niveau 1, l'apparition de deux nouveaux secteurs, de nouveaux secteurs d'activité. Les secteurs rayonnement d'origine artificielle, on va retrouver aussi bien les sources détenues dans le secteur médical que dans le secteur industrie. Et puis, nouveau secteur d'activité, ce sont les rayonnements d'origine naturelle qui vont intégrer principalement l'exposition des travailleurs au risque radon, dont on a évoqué certaines facettes, en tout cas juste avant, mais également intégrer l'exposition du personnel navigant à bord d'aéronefs ou d'engins spatiaux. Pour le niveau 2, on a maintenu les deux secteurs que l'on connaît bien, le secteur médical et le secteur industrie. À noter que le secteur industrie maintenant intègre le secteur, ou en tout cas le secteur d'activité du transport, hein, qui était un secteur à part entière auparavant. Pour ces deux secteurs, médical et industrie, les différentes options que l'on connaissait auparavant avec l'arrêté du 6 décembre 2013 existent toujours, à savoir l'option source scellée, qui inclut les générateurs électriques de rayonnement, qui inclut les accélérateurs de particules, mais également l'option source non scellée. Grosse modification dans ce nouvel arrêté, c'est que les activités qui sont exercées au sein des installations nucléaires de base sont désormais considérées comme une option du secteur industrie et non plus comme un secteur ou non plus comme un niveau à part entière. Hein. Pour ceux qui étaient concernés et qui s'en souviennent, donc les activités qui étaient exercées au sein d'une installation nucléaire de base, d'une INB ou d'une INBS de base secrète, devaient suivre une formation donc PCR de niveau 3. Ce n'est plus le cas maintenant, c'est désormais rattaché au secteur industrie, avec toutefois un prérequis pour pouvoir assister à cette option
nucléaire, c'est d'être déjà titulaire d'un certificat PCR de niveau 2, secteur industriel, avec la double option, source scellée et source non scellée. Ce que l'on peut noter également, c'est que cet arrêté a modifié le programme et le contenu de ces formations, notamment pour intégrer, on vous en a parlé donc depuis le début, les nouvelles prescriptions, les nouvelles obligations liées au Code de la santé publique, hein, de manière à pouvoir assister le responsable d'activité nucléaire. Et puis, nouveauté également, c'est que est apparue une formation PCR dite renforcée, qui permet d'étendre ses compétences en termes de métrologie, en termes de système de management de la qualité, en termes de la protection de la population ou de l'environnement, en termes de conception des installations, par exemple. Et vous verrez que cette formation renforcée est nécessaire pour les conseillers en radioprotection désignés au sein d'un organisme compétent en radioprotection. Donc voilà les principales modifications qui concernent le nouvel arrêté donc définissant les modalités de formation PCR. Dans cet arrêté, on a également quelques éléments concernant l'organisme compétent en radioprotection, l'OCR, hein, que vous voyez sur la colonne de droite. Donc ce qui est nouveau, c'est que, et ce qui est prévu par le Code du travail et le Code de la santé publique, c'est qu'il est désormais possible de recourir à un prestataire ou à un établissement externe pour mettre en place la radioprotection dans un établissement, hein, en tant que conseiller en radioprotection. Avant, c'était limité à certaines catégories de sources et certains secteurs d'activité. C'est désormais ouvert donc à tous les détenteurs de sources de rayonnement. La contrepartie, c'est bien évidemment que les exigences au niveau des compétences des intervenants au sein de cette OCR soient renforcées, et notamment renforcées par le suivi ou la qualification, en tout cas, des PCR suivant l'option renforcée dont je viens de parler juste avant. Pour pouvoir proposer ces missions d'OCR, l'organisme devrait être certifié par un organisme accrédité de manière à démontrer que son organisation permet de gérer concrètement et de manière complète les missions donc, de conseiller en radioprotection donc pour un tiers, donc pour un établissement tiers. Donc le processus de certification est défini et d'accréditation d'ailleurs, hein, sont définis donc dans l'arrêté du 18 décembre 2019. Ce que l'on peut noter également, c'est que le rapport annuel des activités conduites par un OCR au sein d'un établissement est désormais beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis qu'il ne l'était auparavant. Hein, et ce document donc, est nécessaire pour chaque établissement donc, dans lequel l'OCR intervient. Alors, ce petit tableau, en fait, permet d'expliquer ou d'expliquer donc les modalités des dispositions transitoires qui sont prévues entre les certificats délivrés suivant l'arrêté du 6 décembre 2013 voire suivant l'arrêté du 26 octobre 2005 avec le nouveau référentiel. Alors ce que l'on peut noter déjà, et ça c'est les deux premières colonnes, hein, c'est que tous les certificats qui arrivent à échéance entre le premier tous les certificats PCR, hein, qui arrivent à échéance entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2021, sont automatiquement prorogés jusqu'au 1er juillet 2021. Avant cette date, la personne compétente en radioprotection doit suivre une formation de renouvellement pour pouvoir continuer d'exercer les missions de conseiller en radioprotection dans son établissement. Attention toutefois, si le précédent certificat a été établi suivant l'arrêté du 26 octobre 2005, ce renouvellement doit se faire obligatoirement suivant les modalités de l'arrêté de 2013 et pas du nouvel arrêté de 2019. Cette disposition donc prévue par la Direction générale du travail hein, donc vient détailler le fait qu'il n'y a pas de transition entre l'arrêté de 2005 et le nouvel arrêté de 2019. Il faut déjà que ça passe au préalable par une phase transitoire donc, et que ça passe par l'arrêté du 6 décembre donc, 2013. Pour les certificats donc, qui ont été émis suivant l'arrêté du 6 décembre 2013, ils peuvent, donc toujours avant le 1er juillet 2021, suivre une formation de renouvellement qui leur permettra de basculer dans le nouveau référentiel
Et attention au point de vigilance, hein, n'attendez pas le dernier moment, le mois de juin, pour vous inscrire à une formation de renouvellement. Effectivement, beaucoup de personnes risquent d'être concernées par ce report et on risque de se trouver embouteillé à un moment donné. Ensuite, pour tous les certificats qui ont été délivrés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, ils l'ont donc forcément été délivrés suivant les modalités de l'arrêté du 6 décembre 2013, les certificats PCR deviennent caducs au 1er juillet 2021. Avant cette date, pour pouvoir continuer d'exercer jusqu'à la fin de validité de votre certificat, vous devez vous tourner vers votre organisme de formation de PCR afin qu'il vous délivre un certificat transitoire délivré au titre de l'article 23 de l'arrêté du 18 décembre 2019. Ce certificat transitoire est remis en échange la fourniture de votre certificat en cours de validité, d'un descriptif d'activité prouvant que vous exercez bien toujours les fonctions de conseiller en radioprotection donc pour un établissement. Et il devra vous être mis donc avant le 1er juillet 2021 de manière à poursuivre votre activité de PCR donc au-delà de votre fin de validité du certificat. Enfin, pour toutes les personnes qui ont suivi une formation entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2021, vous basculez directement dans le nouveau dispositif. Aucune formation particulière, aucun document complémentaire n'est nécessaire pour que vous puissiez donc continuer d'assurer votre mission de conseiller en radioprotection jusqu'à la date de fin d'échéance. Voilà donc pour la présentation du dispositif PCR, des éléments relatifs à l'OCR. Alors peut-être qu'il y a des questions, Thomas. Oui, Florian, il y a quelques questions. Excusez-moi, c'est Sophie. Est-ce que vous souhaitez qu'on passe le sondage ou vous poursuivez les questions? Non, on va faire les questions, on fera le sondage plutôt à la D'accord. fin. D'accord. Hein? Vous me faites signe à ce moment-là. Oui, pas de souci. Oui. Très bien. Je disais, on a un peu moins de questions qu'après ma partie, je dirais, sachant qu'il y a quand même beaucoup de choses sur le radon qui était intervenu. Alors, Florian, donc une personne s'interroge, elle pose la question, bon, je pense qu'elle a eu la réponse, mais on va quand même en parler. Son attestation PCR expire fin d'année. Donc 2021, et en gros la question est: quel est le timing pour la renouveler? Alors, deux possibilités: soit le renouvellement se déroule avant le 1er juillet 2021 à ce moment-là il n'y a aucun problème, on prolongera de 5 ans son certificat, soit elle souhaite suivre sa formation de renouvellement PCR au-delà du 1er juillet 2021, donc elle doit se tourner vers l'organisme de formation APAF si c'est le cas pour qu'on délivre un certificat transitoire qui lui permettra d'aller entre le 1er juillet 2021 enfin de poursuivre ses activités entre le 1er juillet 2021 et la date de fin d'échéance, donc fin d'année de 2021. Donc, deux possibilités. Mmh. Très bien. Je vois qu'il y a des questions également concernant la capacité d'APAV à délivrer certificat transitoire. Oui, effectivement. Donc, on temporisait la délivrance du certificat transitoire car il nous manquait le modèle attendu de la Direction générale du travail. Encore une fois, la certification suivant les nouvelles modalités était nécessaire pour délivrer ce certificat transitoire. Donc, c'est désormais chose faite. Vous pouvez vous tourner vers les différents centres qui vous ont délivré le certificat pour vous voir délivrer le certificat transitoire. Et donc, on sera à même de les délivrer à partir du 6 avril 2021, et ça jusqu'au 1er juillet 2021. Donc, ça nous laissera le temps de les délivrer pour les différentes personnes concernées. Une question, c'est est-ce que donc c'est à la personne concernée de venir vers l'OF ou est-ce que c'est l'OF qui va vers la personne concernée? Non, c'est la personne concernée qui doit se tourner vers l'organisme de formation. On a aussi quelques remarques de type un autre OF peut-il
peut-il délivrer ce certificat transitoire? Donc, j'entends par là l'OF qui n'a pas réalisé la formation initiale. On peut le faire. Alors, dans le cas de la délivrance d'un certificat transitoire, l'OF qui a formé le, comment dire, qui a formé initialement la personne compétente en radioprotection, délivre le certificat transitoire dans le cadre d'une continuité de service, donc à titre gracieux. C'est pas le cas de tous nos concurrents, c'est vrai, mais délivre donc à titre gracieux. Toutefois, en cas de défaillance de l'organisme de formation, je crois que c'est ça la question, on peut se tourner vers n'importe quel autre organisme de formation, donc qui est en capacité de les délivrer, de manière à ce qu'on ce qu'ils puissent continuer ses activités au-delà du 1er juillet 2021. Alors, par contre, quand ça se fait dans le cadre d'un de récupération, on va dire, d'un certificat qui a été mis par un autre organisme, souvent les organismes de formation donc le délivrent de manière payante. Voilà. Ok. J'avais donc d'autres petits points. Peut-être une précision, mais je vais le faire, c'est que un certificat, une formation PCR couvre à la fois les aspects code santé publique et code du travail. J'ai cru comprendre qu'il y avait une question un petit peu en sens. Est-ce que avec mon certificat PCR, je peux aussi être désigné PCR par le RAN, par exemple? Donc la réponse est oui, bien sûr. Un certificat PCR couvre les deux aspects, donc ça veut dire que vous pouvez être désigné à la fois par le RAN et par l'employeur. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'avais une autre question que j'ai peur de ne pas avoir très très bien compris, mais voilà, c'est APAV a-t-elle été validée pour la prolongation PCR? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'imagine que c'est lié au certificat transitoire dont tu parlais. Notre capacité à délivrer les certificats transitoires, oui, nous sommes certifiés depuis fin janvier sur le nouveau référentiel. On s'était laissé simplement un petit peu de temps donc pour les délivrer. Donc je vous dis, APAV est à même de les délivrer donc à partir du 6 avril 2021, voilà, de manière le temps qu'on s'organise également derrière. Ça représente quand même près de 4000 certificats, donc ça nécessitait une petite organisation de notre côté. Et si tu peux préciser, avant qu'on passe sur les questions qui touchent à l'externalisation du conseiller en RP, donc vers un OCR, est-ce que tu peux préciser ce qu'on entend par date de réalisation de la formation? Est-ce que c'est lié à la formation initiale ou au dernier recyclage? Enfin, j'ai des questions de ce type-là. Alors, dans le cadre de la délivrance du certificat transitoire, la date qui est prise en considération, c'est la date de fin de validité de votre certificat. Donc, le certificat actuellement détenu possède déjà une date de fin de validité. Donc, on ne reprolonge pas la date de fin de validité, on émet simplement un certificat transitoire qui permet d'aller au-delà du 1er juillet 2021 jusqu'à la date de fin de validité actuelle. Donc, c'est bien la date qui est inscrite sur votre certificat actuellement détenu. Par contre, je vois qu'il y a quand même une question concernant les documents nécessaires pour établir ce certificat transitoire. Ces documents, c'est basé sur le certificat actuellement détenu, bien évidemment, et aussi sur la descriptive d'activité. La Direction générale du travail préconise que les éléments de preuve qui permettent de justifier de l'exercice effectif de votre mission de personne compétente en radioprotection peut être prouvé par la fourniture d'un descriptif d'activité au même titre que celui que vous fournissez dans le cadre d'une formation de renouvellement, c'est-à-dire celui qui est défini en annexe de l'arrêté du 18 décembre 2019. Voilà. Ok. Très bien. Donc, on va passer sur l'aspect plutôt OCR. Donc, effectivement, il y a des questions sur moi, mon certificat va arriver à fin d'échéance. J'ai pas forcément envie de le renouveler. Je serais plutôt partant pour externaliser ces missions-là auprès d'un OCR, pour le coup. Est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Voilà, il y a des points à préciser là-dessus. Alors évidemment, je vois des échanges sur… Évidemment, il faut bien choisir son OCR. C'est certain qu'il y a des OCR low cost qui sont pas forcément, aussi précautionneux que d'autres. Mais Florian, je vais te laisser répondre. L'externalisation, ça marche comment? Alors, bien déjà, ça marche bien. Donc en fait, tout est défini dans l'organisation donc, qui est mise en place dans l'établissement. Donc le CR peut vous assister dans la mise en place de l'organisation définie aussi bien par
par l'employeur que par le RAN, et qui va décider de confier tout ou partie, hein, ça peut très bien être une répartition des tâches entre un PCR interne et un OCR, et tout sera défini donc lors de cette organisation, de cette phase préalable. Donc on définira clairement les missions attendues des deux parties ou de l'OCR. Hein, maintenant, je ne sais pas quels sont les autres éléments demandés, mais l'intérêt l'établissement dans toutes ses obligations, aussi bien vis-à-vis du code du travail que du code de la santé publique. Voilà. Ouais, on peut imaginer des combos, effectivement, ou une externalisation totale. Alors, on va avoir des entreprises qui vont, par expérience, vouloir conserver la compétence en interne, mais qui vont disposer qui vont manquer de temps pour, en tout cas, à leurs yeux, en tout cas, faire les choses correctement. Donc, elles vont probablement externaliser une partie des missions de conseiller en RP. On pense, par exemple, à des vérifications, à des mesurages, des choses de ce type-là, mais conserver la maîtrise du reste, quoi. Notamment tout ce qui va toucher au suivi dosimétrique quand il y en a. Enfin, tout ça, ce sont des sujets qu'il faudra adresser. Hein. Est-ce que aussi par rapport au type de source dont on dispose, il y a des restrictions vis-à-vis de l'externalisation? Si j'ai des sources de haute activité, si je fais du CND, est-ce que j'ai des choses contraignantes de ce point de vue-là? Alors, l'opportunité effectivement apportée donc par le code de la santé publique et le code du travail, hein, est que on peut désormais donc confier la mission de conseiller en radioprotection, quel que soit le type des installations détenues ou le type d'exposition de mes travailleurs, aussi bien pour les sources de haute activité que pour les prestataires au sein d'installations nucléaires de base, que pour le secteur médical, que pour le secteur industrie. Donc, quelles que soient les sources détenues ou les niveaux d'exposition ou le type d'exposition des travailleurs, hein, l'externalisation ou le recours à un OCR est désormais possible sans restriction particulière, à condition bien évidemment que dans les champs de compétences et de certification de l'OCR, on est bien, l'OCR soit bien en capacité donc de répondre ou d'être associé, on va dire, aux différents secteurs d'activité ou types de sources. Voilà. Ok. Bon, voilà, on va avancer parce que on a l'heure qui tourne. On va passer sur un point plutôt tourné vérification RP. Donc on va faire un petit focus là-dessus. Sophie, tu voulais peut-être préciser quelque chose? Non, je vois l'heure passer, donc on va être bientôt obligé de clôturer le e-workshop. Ça fait plus d'une heure qu'on a démarrer, donc je crains que ça ne s'arrête. Je voulais simplement vous passer le sondage. D'accord, donc il y a un sondage qui va être lancé, et puis vous pouvez y répondre maintenant. C'est quelques questions fermées, donc on vous remercie d'y répondre. Et puis, sachez que toutes les questions auxquelles Florian et Thomas n'auront pas eu le temps de répondre, ils vous le feront par mail. Suite à l'événement, on rebalayera les questions qui n'ont pas été traitées et on vous répondra. Je répète que vous recevrez également le replay de cette présentation. Donc, je lance le sondage. Ok, moi je continuerai quand même sur les vérifications après. Hein. On fait le sondage maintenant, c'est ça Sophie, et puis je prends la suite après. On a un horaire en particulier de fin de présentation forcée, c'est quoi? Il y a 11h30? À 11h30, oui. Bon, ça va le faire. Hop. Oui, donc effectivement, je vais continuer en même temps. Donc sur les vérifications RP, on va avancer. Le sondage, vous avez à peu près 20 secondes ou quelque chose comme ça par question, donc répondez en même temps. Je vais avancer. Le premier point, donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase transitoire. Je précise que sur le site APAF.com, hein, vous avez des éléments plus détaillés, vous pouvez vous y rendre. Mais voilà, d'un point de vue synthétique, ce qui est prévu. Donc, vous voyez qu'on a écrit, déjà, on s'intéresse à ce qui va se passer donc, avant le 1er janvier 2022. Donc, c'est effectivement, on est dans l'attente d'un décret
c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, qui prorogera d'au moins 6 mois cette date, du 1er juillet 2021. Donc, on part sur l'idée que c'est le 1er janvier 2022. Et donc, au niveau des vérifications RP, durant cette phase transitoire, voilà ce qui est à date, puisqu'on attend des arrêtés, notamment vérification selon le code santé publique. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est ça qui est dans les tuyaux. Vous avez un certain nombre de vérifications à faire réaliser en vert ici par un organisme agréé par l'ASN. Et également les vérifications périodiques qui, elles, sont à réaliser ou en tout cas, c'est soit exécuté, soit supervisé par le conseiller en radioprotection. Donc, on a bien deux acteurs. L'organisme agréé, lui, aujourd'hui, réalise, donc on est bien d'accord, c'est un organisme agréé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'organisme accrédité pour faire les vérifications, je dirais, externes relatives au Code du travail. Dans le Code du travail, c'est un organisme accrédité qui réalise les vérifications de mise en service. Okay. Aujourd'hui, on est en phase transitoire, il n'y a pas d'organisme accrédité dans le paysage, il n'y a que des organismes agréés. Et donc, dans cette phase transitoire, ce sont les organismes agréés qui font. Donc, voilà ce qui est prévu. On a une vérification initiale à la mise en service d'une installation qui doit être réalisée par un organisme agréé. Alors, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que vous connaissiez avant. C'était fait au travers de ce qu'on appelait les contrôles externes. Donc, il y avait à la mise en service un contrôle externe. Et puis ensuite, ce contrôle externe, il était renouvelé périodiquement. Donc, aujourd'hui, c'est finalement toujours un peu comme ça. La sémantique change un peu. On va parler de vérification initiale et de renouvellement de vérification initiale. Mais quoi qu'il en soit, ces vérifications sont menées selon l'arrêté de 2010. Et une coquille, là, c'est l'arrêté du 21 mai 2010. Et donc, ces vérifications, bien finalement, sont les mêmes qu'avant. Et on balaye au cours de ces vérifications à la fois les aspects code santé publique et code du travail. Donc, il y a un seul rapport qui couvre les deux codes. Côté, cette fois-ci, vérification interne, donc réalisée par le conseiller en RP, eh bien, il y a des vérifications périodiques qui sont à réaliser. Là encore, soit selon l'arrêté du 21 mai 2010 pour tout ce qui touche au code du travail et au code santé publique. Donc ça, c'est une possibilité aujourd'hui qui est offerte pendant la phase transitoire. Et donc, là encore, on a un rapport de contrôle, de vérification périodique qui couvre à la fois le code santé publique et le code du travail. Soit on décide d'aller un peu plus loin et de rentrer progressivement dans la nouvelle réglementation. Donc, on peut très bien déjà se conformer pour l'aspect code du travail aux obligations de l'arrêté du 23 octobre 2020. Voilà, donc deux possibilités, soit en tant que conseiller RP, je fais tout selon l'arrêté du 21 mai 2010, code santé publique et code du travail, j'ai le droit de le faire, soit je fais le code santé publique selon l'arrêté du 21 mai 2010, alors on s'entend que c'est assez light, hein, mais il faut le faire quand même, dans l'absolu. Et je fais l'aspect code du travail selon l'arrêté du 23 octobre 2020. Voilà, ça c'est donc la possibilité offerte. Alors c'est un petit peu compliqué à mettre en place, ça fait un peu usine à gaz tout ça. Hein. Et ce qu'on constate dans les faits aujourd'hui, c'est que les établissements ils sont restés sur l'arrêté du 21 mai 2010. Pourquoi ? Parce que bien l'aspect code santé publique, on attend, si vous voulez, un arrêté vérification selon le code santé publique pour pouvoir faire une bascule propre. Aujourd'hui, c'est pas évident de basculer avec une partie code santé publique selon l'ancien arrêté et une partie code du travail selon le nouveau. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, en gros, toutes les entreprises sont restées sur l'arrêté du 21 mai 2010. À la fois en interne et en externe. Par ailleurs, vous avez une petite alerte en bas, hein, mais cet arrêté du 23 octobre 2020, c'est très bien de vouloir l'appliquer, hein, d'ailleurs, au contraire, nous on incite à le faire. Simplement, dans les faits, l'arrêté du 23 octobre 2020, pour tout ce qui est vérif périodique, hein, il demande à ce que ce soit donc l'employeur qui définisse à la fois les points de vérification. Qu'est-ce qu'on va vérifier dans le cadre des vérifs périodiques ? Alors évidemment, on va vérifier dans l'esprit, hein, c'est le maintien en bon état de fonctionnement de tout ce qui est moyen de prévention existant.
et notamment ceux qui ont été vus lors des vérifications initiales. Mais dans les faits, c'est quand même à lui de définir ses points de vérification et leur périodicité. Ça veut dire que dans votre programme des vérifications, si vous voulez aller vers l'arrêté du 23 octobre 2020, il va falloir aller assez dans le détail et donc modifier ces documents chapeaux, hein, avant de pouvoir générer un rapport qui le suit. Donc, ce n'est pas forcément très simple à mettre en œuvre et il est important malgré tout de se projeter dans cet arrêté dès maintenant pour ne pas se retrouver au pied du mur en fin d'année. Voilà. Donc ça, c'est la phase transitoire qui est un petit peu compliquée. Qu'est-ce qui va se passer après le 1er janvier ? Vous allez avoir la distinction, cette fois-ci, entre le Code du travail et le Code santé publique. On va avoir des choses qui sont à gérer par l'employeur avec des rapports dédiés Code du travail, des rapports de vérif, et des exigences, donc des vérifications qui vont être relatives au Code de la santé publique, donc des rapports dédiés aussi. Alors, autant pour le Code du travail, on sait ce qui va se passer, autant pour le Code de la santé publique, on n'a pas toutes les infos. Hein, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, on a l'arrêté vérification Code du travail, nouvelle mouture est paru, mais pas celui Code santé publique. Donc, qu'est-ce qui va se passer en Code du travail? Eh bien, on va avoir un allègement notable des vérifications réalisées par les organismes extérieurs. Alors, le Code du travail, ce ne sera plus des organismes agréés qui feront ces vérifications-là, ce sera uniquement des organismes accrédités par le COFRAC. Là-dessus, on est clair. Ces organismes accrédités par le COFRAC devront impérativement intervenir pour la vérification initiale de la plupart des équipements et lieux de travail. Alors, simple, il y a quelques équipements de travail, je dirais, qui présentent peu d'enjeux radiologiques, qui n'auront même pas besoin de vérification initiale par organisme accrédité. Ce seront en fait des premières vérifs périodiques faites par la PCR. Voilà. Mais globalement, dans le cas générique, les vérifications initiales sont faites par un organisme accrédité. Puis, on a également, s'il y a des zones radiologiques de définies, il y aura également des vérifications initiales des lieux de travail, de manière dont l'objectif étant de vérifier notamment tout ce qui touche au zonage, à l'adéquation du zonage et aussi des éventuelles sécurités associées aux lieux de travail. Ces vérifs initiales, elles sont à renouveler également périodiquement, mais finalement que sur certains équipements de travail. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a pas de renouvellement des vérifications initiales des lieux de travail, hein, c'est que les équipements de travail. Et ce renouvellement périodique des vérifications initiales, je suis désolé du terme, mais c'est celui-là, ne concernera que certaines installations à enjeu dosimétrique, significatif. Donc, c'est typiquement tout ce qui va toucher les accélérateurs, le CND, tout ce qui touche à la radiologie interventionnelle. Voilà, en dehors de ça, il y a globalement pas de renouvellement. Donc, on voit bien l'allègement sur le gros du parc en France. Hein, mise en service, il y a l'organisme accrédité qui vient en gros, et derrière, il ne passe plus. Et donc, s'il ne passe plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, elle est autonome avec son conseiller en RP et elle s'organise pour mener toutes ces vérifications périodiques, de vérification donc du maintien en bon état de fonctionnement de tous les moyens de prévention. Donc, elle joue désormais solo, puisqu'elle n'a plus de passage périodique d'organismes type APAV, en tout cas, dès lors qu'APAV ne fait chez eux que les vérifications initiales. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair, on verra les questions ensuite, mais je passe vite au Code de la santé publique. On a une décision ASN et un arrêté qui sont actuellement en cours de validation. On a vu de notre côté passer les projets. Donc, il faut savoir que il y a des vérifications qui devront être menées en interne par le responsable d'activité nucléaire avec le CRP. Ça c'est clair. On n'a pas d'infos à ce jour en dehors de ce qui est inscrit dans le Code de la santé publique. Donc, on peut imaginer que il y ait soit un texte demain, mais je n'ai pas eu beaucoup d'infos, mais soit un texte demain, soit ça passera au travers des prescriptions génériques ou individuelles des régimes. Voilà. En tout cas, les vérifications externes, par contre, on a des infos, et c'est ça l'objet de la décision et de l'arrêté. Donc, dans le Code de la santé publique, les seules vérifications externes
par organismes extérieurs et donc par des organismes agréés qui devront être réalisés concerneront uniquement les installations génératrices de déchets radioactifs. On entend par là tout ce qui est utilisation de sources non scellées ou également des installations produisant des déchets activés ou des pièces activées, accélérateurs par exemple médicaux. On peut aussi imaginer des accélérateurs de particules activant les pièces, donc dans l'industrie on en a également sur des cyclotrons, des synchrotrons. Les infos qu'on a, donc c'est les organismes agréés qui feront ça, uniquement sur ces installations génératrices de déchets. Une première vérification donc, devra être réalisée dans l'année qui suit la mise en service, puis à une périodicité qui dépendra du régime administratif. D'accord. Vous avez ici, si vous êtes soumis à autorisation ou à enregistrement. Si vous n'êtes pas soumis à un de ces deux régimes, enregistrement ou autorisation, donc typiquement déclaration, déjà vous êtes hors système, pas soumis à ces vérifs-là. Voilà ce qu'on peut dire. Je prends les questions s'il y en a, avant de passer à la suite. Florian, si tu veux bien, est-ce que on a des choses, des questions sur le sujet ? Alors, il y a une question, enfin il y a plusieurs questions concernant les périodicités des vérifications périodiques effectuées par les PCR et notamment sur les périodicités réglementaires. Ok, donc c'est quelles sont les périodicités? Les périodicités, alors on a effectivement une périodicité qui est fixée par l'employeur, mais évidemment dans un cadre quand même assez précis. Les périodicités sont au moins annuelles lors des vérifications périodiques. Donc l'employeur doit fixer la périodicité. Il ne peut pas aller au-delà d'un an entre deux vérifications. Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il doit tout mettre à un an. La DGT est assez stricte là-dessus, assez en tout cas explicite plutôt, et elle insiste sur le fait qu'effectivement, ces vérifications périodiques, c'est un an au maximum entre deux vérifs, mais ça ne veut pas dire que tout est forcément à un an. Alors là, je parle des vérifications des équipements et des sources. Côté vérification des lieux de travail, et donc ça correspond grosso modo aux mesures, aux vérifications de l'ambiance radiologique, c'est au maximum tous les 3 mois. Là encore, c'est une périodicité qui doit être définie par l'employeur. Voilà. On a une question concernant donc, la capacité donc, pour un organisme de produire les deux rapports, un pour le CT, un pour le CSP. En fait, la question, je pense, c'est est-ce qu'un même organisme, OVA et OA, RP, pourra, donc organisme de vérification accrédité et organisme agréé en radioprotection, donc pourra réaliser aussi bien les missions au titre du Code du travail, la vérification initiale, que les vérifications donc, au titre du Code de la santé publique. Oui, donc en fait, on a des règles de déontologie qui vont effectivement arriver, ça c'est clair, enfin, on les connaît déjà, hein, on va pas se mentir, il y en a déjà des règles de déontologie et grosso modo, on reste à peu près en place. Il y a l'organisme, on va dire, tierce partie, donc qui travaille sous agrément ou sous accréditation, il ne peut pas être jugé partie. Donc effectivement, quelqu'un qui serait, par exemple, une entreprise qui serait organisme compétent en RP aura du mal, aura des difficultés à être aussi l'organisme qui fait les vérifications initiales et leur renouvellement. Voilà, donc ça je le fais simple, on comprend bien, si je suis PCR et que je me contrôle, ça ne va pas. Maintenant, il y a aujourd'hui assez peu de règles de déontologie fermes dans la réglementation, hein. Ce n'est pas écrit comme ça, ça c'est pas mis. Donc je dirais que chaque organisme aujourd'hui peut fixer des règles de déontologie qui va bien. La seule règle qu'on a établie, c'est que quelqu'un qui réalise la vérification périodique, donc pour le compte d'une PCR ou en tant que PCR d'ailleurs, d'un équipement de travail ou d'un lieu de travail, ne peut pas réaliser dans les 3 années qui suivent la vérif initiale ou son renouvellement. Aujourd'hui, c'est la seule règle qu'on ait. Bon, maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est que
Vous n'ayez qu'un équipement qui arrive, un équipement neuf, vous avez un organisme qui fait la vérification initiale. Derrière, il peut vous faire les vérifs périodiques dès lors qu'il n'y a pas de renouvellement, quoi. Ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'il change de casquette, mais il ne pourra pas reprendre la casquette de l'organisme accrédité ou de l'organisme agréé s'il veut rebasculer. Ça sera compliqué. Donc, il y a quand même une séparation un peu des deux terrains. Effectivement, on peut faire à la fois les vérifications initiales en tant qu'organisme accrédité Code du Travail et les vérifications en tant qu'organisme agréé pour le Code Santé Publique. Ça, il n'y a pas de risque de conflit d'intérêts. Mais dès lors qu'on bascule du côté OCR ou travaille sous la supervision d'un conseiller en RP, enfin vérifie sous la supervision d'un conseiller en RP, ben à ce moment-là, ça se complique. Voilà. Thomas, on avait également deux questions. Donc, quels sont les contrôles obligatoires pour une Fluo X ? Donc, la personne veut plutôt parler de vérification, je pense, maintenant, dans le nouveau vocabulaire. Donc, obligatoire donc, pour une Fluo X. Donc, je pense un appareil un appareil portatif ou fixe, d'ailleurs, hein, à fluorescence à rayon X, un analyseur de métaux, de matériaux. Oui, alors... Donc, ça sera bien une vérification initiale hein, faite par un organisme. Alors, tout dépend des niveaux d'exposition, en fait, hein, par cet équipement. Hein, s'il dépasse les 10 microsieverts par heure, donc sans rentrer trop dans les détails de l'arrêté du 23 octobre 2020, mais si cet équipement donc, dépasse les 10 microsieverts par heure, hein, donc au contact de l'équipement, effectivement, donc, c'est une première vérification initiale faite par un organisme accrédité. Puis ensuite, des vérifications périodiques par le conseiller RP. Conseiller radioprotection, tout à fait. On a des questions également. Est-ce qu'il y aura donc toujours des vérifications externes et internes ou est-ce qu'on pourra jumeler les deux simultanément, je pense, dans la question. Oui, donc, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire appel à un organisme compétent pour faire vos vérifications périodiques. Vous pouvez avoir un conseiller en RP interne à l'entreprise qui sous-traite quelque part les vérifications périodiques, ça c'est tout à fait possible. Il peut d'ailleurs les sous-traiter à qui il veut, mais on imagine bien qu'il va plutôt les sous-traiter à un OCR. Ça paraît plus logique, puisque c'est un organisme compétent, reconnu compétent en radioprotection. Voilà. Malgré tout, ce sera des vérifications réalisées sous sa supervision. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la sous-traitance se fera par ce biais-là. On ne fera pas une vérif initiale, une vérif perio, puis une autre vérif initiale, puis une autre vérif perio. Ce n'est pas dans l'esprit du texte. Par contre, on peut sous-traiter plutôt à un organisme tiers, une partie ou une totalité d'ailleurs, des vérifications périodiques. C'est ça. On a une question également concernant la période transitoire, je pense. Est-ce qu'il faut procéder à une nouvelle vérification initiale, suivant la nouvelle réglementation, pour un équipement qui existe déjà ? Alors, le contrôle externe, s'il a déjà été réalisé, là, vaut vérification initiale. Donc, non. Il n'y a pas besoin. Donc, pareil, j'ai une question de Pauline qui demande si on a des générateurs électriques de rayon X sous ma déclaration et des sources non scellées, a-t-on besoin de vérification externe ? Donc, en fait, le régime administratif déjà n'entraîne pas d'orientation vers une réponse, hein, c'est plutôt les débits de dose associés. Voilà. Et pour les sources non scellées, donc jusqu'au 1er juillet 2021, donc certainement prorogé jusqu'au 1er janvier 2022, donc on continue à renouveler les vérifications initiales de radioprotection. Hein. Et puis, au-delà, il n'y aura pas de renouvellement donc de vérification pour les installations donc contenant les sources non scellées. Une vérification initiale. Non, tout à fait. Donc, la question aussi qui vient en doublon de Vincent, hein, on n'a pas le droit de passer une périodicité de 3 ans dès maintenant pour une SSHA, une source scellée de haute activité.
Jusqu'au 1er janvier 2022, non, on garde les mêmes, 1er janvier 2022, donc on garde les mêmes périodicités, celles définies par l'arrêté du 21 mai 2010. Trois ans, si c'est bien, si c'est pas une coquille, trois ans, c'est pas possible. Si c'est ça, c'est donc ce côté, autant pour moi, organisme accrédité. Okay. Oui, c'est ça. Tant qu'il n'y a pas d'organisme accrédité, tant que vous n'avez pas basculé dans le nouveau système, il faut bien comprendre que vous faites appel à des organismes agréés qui doivent intervenir selon les modalités et périodicités de l'arrêté du 21 mai 2010. Donc, c'est pas, ça peut pas, si c'est un organisme agréé, ça peut pas être tous les trois ans. Et par contre, ça interviendra après la bascule. Alors, pour la question sur les périodicités de vérification externe pour une installation soumise à déclaration, donc c'est pareil. Aujourd'hui, vous faites appel à des organismes agréés qui vont intervenir pour faire les vérifications externes, donc selon la périodicité de l'arrêté du 21 mai 2010. Donc, c'est la même périodicité, elle est inchangée. Et à partir du 1er janvier 2022, ben, ces organismes agréés n'interviendront plus. Ce sera des organismes accrédités. Et là, vous êtes forcément, vous, dans le nouveau système. Mais en attendant, non, c'est organisme agréé aujourd'hui, donc périodicité historique qui s'applique. Thomas et Florian, nous allons devoir clôturer le e-workshop maintenant. Très bien. Donc, on refait un point et aux questions qui demandent encore des réponses, on vous enverra, on vous y répondra individuellement. D'accord. Sachant que vous voyez, on a juste deux petits décrets, enfin quelques modifications qui vont arriver là dans les mois qui viennent, hein. Notamment celui, le décret qui prorogera la date du 1er juillet 2021, on en parlait, et puis également un décret qui corrigera certaines coquilles. Parmi les, notamment vis-à-vis du radon, hein, mais le point que je retiens, c'est notamment la formation à la radioprotection des travailleurs, qui doit être une formation donc triennale, qui ne s'appliquerait plus aux travailleurs classés, elle s'appliquerait plus généralement aux travailleurs faisant l'objet d'une surveillance dosimétrique de référence. Voilà les gros points qu'on peut dire. Et donc en conclusion, hein, on va aller dessus. Des évolutions importantes sont annoncées. Hein. Ça vous impose donc quand même de votre côté une modification importante de votre organisation de l'ARP. Et donc évidemment, APAV est là pour vous accompagner dans ces changements. Hein. N'hésitez pas à faire appel à notre savoir-faire. Vous savez qu'on est positionné en radioprotection quand même de manière assez importante. On est spécialisé sur ce sujet. Je vous rappelle aussi notre raison d'être qui est parue il y a peu de temps, récemment. Donc, la raison d'être d'APAV, hein, c'est ça, c'est agir en acteur de confiance pour un monde plus sûr, durable et porteur de progrès partagé. Notre ambition, c'est bien de vous faire progresser. Hein, et donc, à cette fin, on vous propose une solution globale en RP pour optimiser votre organisation, pour vous permettre de vous recentrer sur votre cœur de métier, sachant qu'on est un organisme, on ne fait pas partie des organismes low cost, malheureusement pour certains, hein, mais en contrepartie, on a une qualité de service reconnu des autorités, mais aussi de nos clients. Hein, donc, c'est important. Voilà. Puis, on travaille ce sujet de l'ARP depuis plusieurs décennies. Donc, on a un fort héritage dans notre boutique et on essaie de le partager avec nos clients autant que possible. Voilà. Je te laisse la main, Sophie, pour la conclusion. Je vous remercie en tout cas pour votre participation active et puis je vous dis à très bientôt. Ben, nous vous remercions de votre participation. Vous allez donc recevoir le replay. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin. Nous sommes là pour vous et on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.